Hello les membres de la chaîne École des guérisseurs, je suis vraiment heureuse aujourd'hui de vous donner cette astuce incroyable que j'ai reçue moi il y a maintenant fort longtemps déjà par mon grand-père. Et donc j'aimerais vous le faire partager parce que c'est une astuce qui va pouvoir vous aider, on va dire, dans votre vie de tous les jours. Alors vous savez que dans l'École des guérisseurs, on apprend à être spirituel, à devenir une meilleure version de soi-même. On apprend à augmenter sa spiritualité et on apprend aussi à augmenter son troisième œil, à être connecté avec les anges, les archanges, les guides. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la force des mots et le pouvoir de la parole. La parole, les mots, quand vous prononcez des mots, vous pouvez soit maudire quelqu'un en prononçant des mots, soit vous pouvez bénir quelqu'un. Et donc là aujourd'hui, je vais vous donner donc une déclaration que vous allez faire, une déclaration, donc un papier que vous allez garder sur vous, que vous allez peut-être lire un peu tous les jours, que vous allez peut-être ne pas lire, mais simplement garder dans votre sac. Simplement, vous savez qu'il est là. Simplement, vous savez que ce mot est là et que cette connexion avec le grand tout est là. Alors tout simplement, je vais vous parler du chiffre 7, qui est le chiffre de la création, puisque Dieu a créé l'univers en 7 jours. Il a créé l'univers en 6 jours exactement, et le septième jour, il s'est reposé. Donc, on va dire que le 7 est quelque chose de très, très symbolique au niveau de la création. Vous faites partie d'un tout, vos cellules, votre sang, votre ADN, votre inconscient, votre aura, votre système énergétique baignent dans la force de la création, dans la trame de l'univers. Tout ça pour dire que lorsque vous allez prononcer le chiffre 7, il y a quelque chose qui va se manifester en vous. Il y a quelque chose qui va vibrer. Il y a quelque chose qui va se créer en vous. Alors, j'aimerais bien vous donner cette déclaration. J'aimerais que vous preniez un petit bout de papier et que vous le notiez. Donc, vous faites bien pause, vous notez sur un bout de papier. Coupez de manière aléatoire, mettez votre énergie, vous pouvez frotter votre papier, vous pouvez le caresser, vous pouvez le sentir, vous pouvez mettre même du parfum. Hein, hop, voilà, je vais mettre du parfum dessus, je vais mettre même peut-être même de la sauge. Hein, voilà, je vais pouvoir demander au grand esprit de bénir ce papier, d'en faire une relique, d'en faire un artefact particulier en magie pour moi. Donc vous allez commencer par dire moi, suivi de votre prénom. Donc là, on va dire moi Sandrine, moi Sophie, moi Nathalie, moi Nathan, moi Adrien, moi Florian, moi Angélique, moi voilà. Moi, suivi de votre prénom, je déclare appartenir à la grande famille. À la grande famille du chiffre 7. Qui est la clé de toute la création de l'univers. Qui est la clé de toute la création de l'univers. Le 7 fait partie d'un tout. Et le tout fait partie de moi. Toutes mes cellules vibrent, se guérissent, vivent en harmonie avec le 7. Et vous finissez par dire ainsi soit 7. Donc ce papier, vous allez le garder, vous le pliez vers vous, vous le tournez vers le côté droit, vous le pliez, vous tournez vers le côté droit. Et vous le gardez avec vous, vous ne le jetez jamais. Vous le gardez avec vous comme une relique, comme un artefact magique, comme quelque chose de, voilà, une protection très puissante. Surtout si vous êtes spirituel, si vous voulez augmenter votre troisième œil, si vous voulez, on va dire, accentuer votre connexion avec le grand tout, il faut que vous ayez une protection puissante. Que vous vous connectiez déjà avec les codes de guérison de l'univers. Et le 7, c'est vraiment un code de guérison, c'est vraiment un code de manifestation, de transformation, de manière très très puissante. Voilà.
Donc merci pour votre fidélité, merci pour vos commentaires, merci pour tout ce que vous faites pour contribuer à ce que cette chaîne continue. Surtout, n'hésitez pas à partager avec autour de vous cette vidéo, si vous le pouvez, parce que comme vous êtes membre, mais partagez les autres vidéos aussi avec vos amis, votre famille, vos connaissances, voilà, pour essayer de faire comprendre, essayer de faire découvrir de nouvelles choses, une nouvelle aptitude au monde spirituel et puis une connexion avec le divin. Voilà, parce qu'on est tous connectés les uns aux autres, on fait partie de la grande famille de l'univers. Merci beaucoup les membres de la chaîne et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.